Bien le bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de nouveau en mode draft. Et aujourd'hui, on va faire une draft. Mais on ne pourra avoir que la première lettre de tous les choix draft qu'on aura. Ça va être très compliqué. Mais j'ai confiance en moi puisque récemment, la dernière vidéo concept draft que j'ai tournée, c'était une draft. Mais je ne vois rien. Vraiment, j'ai fait une draft à l'aveugle. Bon, j'avais un peu... Certaines fois, les cartes, elles dépassaient. Donc j'avais un peu de chance sur les choix de joueurs. Mais avec une draft à l'aveugle, sans vraiment voir les choix au final, j'avais réussi à faire une jolie draft et surtout la gagner. Donc j'espère qu'aujourd'hui c'est limite le même concept. Enfin, on va voir que la première lettre, mais je pense qu'avec une seule lettre, c'est la lettre qui, enfin c'est le prénom. Je pense que je vais jamais trouver les joueurs qu'on aura. Ça va être du pif. J'espère qu'on aura une belle draft à la fin et surtout qu'on pourra aller la remporter. On est parti pour une draft, mais je ne vois que la première lettre. Et pendant cette période de TOTS sur IGGM, mon partenaire pour acheter des crédits, vous avez un nouveau code promo Yoma qui vous donnera désormais 7% de réduction. Bien sûr, l'achat de crédit comporte des risques. Je vous laisse regarder toutes les informations en description. Allez, comme d'habitude dans les concepts draft, on peut bien sûr choisir la draft. Ah, je suis pas un grand fan de toutes les compos que j'ai eues. Je vais tenter un 4-3-1-2. Et maintenant, absolument, je ne dois pas voir mes cartes. Donc voilà, les 5 cartes. Et là, j'ai ma deuxième petite asset que j'ai activée derrière. Regardez comment ça va se passer. Logiquement, voilà, on voit que la première lettre. Donc là, on voit un J en capitaine. Aucune idée. Alors là, je vais galérer. K, moi, instinctivement, je pense à Karim Benzema, en vrai. Ensuite, A, Alexia Putellas. Et ensuite, c'est quoi la lettre? Je sais pas c'est quoi la lettre. Et enfin, J, A. J'ai... Et ouais, il y a deux J. Les J, ça peut être qui? Johan Cruyff. C'est J, A. Est-ce que là, ce serait un O? J'ai pas l'impression qu'il y a un O ensuite parce qu'on voit un petit peu le début de la lettre d'après. Franchement, je vais peut-être rester sur le K. J'espère que c'est Karim Benzema. On va voir. C'est Kadi Diatou Djani. Ah ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah ouais, j'aurais pu en trouver aucun. Il y avait Jari Litmanen. Thibaut Courtois. Attends, mais je l'avais pas vu. Je crois que c'était un J, ça, non? Je crois que c'était un J. J'ai cru que c'était un J ou non? Je l'ai dilté. Je me rappelle même pas. Et ensuite, c'est quoi la lettre? Je sais pas c'est quoi la lettre. Bon, en tout cas, on était sur Djani. On va sélectionner Djani. Elle allait sur le banc. Donc, ça nous permet peut-être d'avoir des bons BU. Alors, de toute façon, je vois rien. Alors, autant laisser mon asset, faire le petit R3 et découvrir V. V comme, j'allais dire Vlahovic, mais non, parce que ça serait un D comme Dusan. V comme Victor Osimhen. En vrai, peut-être un des deux, c'est Osimhen. Parce qu'il y a des petits indices. Non, on n'a pas d'indices, hein. Vraiment. Ah, si, il y a des indices de fou. Rendement du joueur, rendement de la joueuse. Regardez les indices. Ça, c'est des bons indices, en vrai de vrai. Très, très bon indice. Donc là, je sais au moins que c'est une joueuse. M comme, je sais pas, Marcus Rashford. Ah, avec un petit. Je pense pas que c'est des bons joueurs. Je pense pas que c'est un bon choix. Et enfin R, je vais tenter le premier V, mais j'ai aucune idée, hein. J'ai aucune idée. Viviane Miedema. Mais attendez, justement, je voulais pas prendre une joueuse. Il y a quoi comme autre choix? Et il y avait bien Victor Osimhen. Je pensais que dans la vidéo j'allais trouver personne, mais j'avais raison. Victor Osimhen et Marcus Rashford. Je crois que je l'ai dit aussi. M comme je sais pas, Marcus Rashford. Incroyable. Bon, on va prendre Miedema. On va prendre Miedema. On était dessus. Pas un début de draft de fou, malgré le fait, enfin malgré le fait, genre je vois rien, mais j'ai pas non plus des choix de fou. Même si j'avais vu là les gars les choix, j'ai pas un début de draft de fou. Le deuxième BU, A, Ya, Yago Aspas. Certainement Yago Aspas. Là, je retiens, c'est Yago Aspas, à mon avis. D comme Vlahovic. Vlahovic, Dusan Vlahovic. Ensuite, V comme Victor Osimhen, il est de retour. Et E comme Erling Haaland, non? C'est pas un petit R ensuite? Je vais le tenter, le Haaland. Je vais tenter le Haaland. Moi, que c'est Haaland. Oh, pète sa mère. Et en plus, c'est la dernière version, c'est ça? Les gars, incroyable. Boutragueño, il y avait quoi comme choix? Oh, j'avais raison sur deux. Vlahovic et Yago Aspas. Je vous dis, on va faire peut-être une belle draft aujourd'hui sans rien voir pratiquement. On est parti pour le choix de MOC. Là, je veux voir un Zinedine Zidane ou Pelé. Ça va être P, tout simplement. Je crois que Pelé, c'est Pelé directement. Ou alors Natson. Il y a un truc. Natson, un truc comme ça dans le monde Pelé. Bon, là, en tout cas, c'est une joueuse. En MOC, j'ai pas d'idée. Là, on a un P pour le deuxième. Un R, Ruud Gullit. Je crois qu'il est assez Gullit, donc il peut pas tomber dans ce choix-là. Là, on a un G, comme aucune idée. Et un F, FL, je crois. FL. Ah, c'est une joueuse, on va pas la prendre. Mon instinct me dit de prendre le R. On va prendre le R, on va voir c'est qui. Rui Costa, pas mal. Mais on va voir, il y avait qui d'autre avec Rui Costa? Ah, il y avait Adji Iko. Non, mais en vrai, Rui Costa, je pense que c'est limite la meilleure carte ici. Les mecs, en vrai, pour l'instant, draft pas si mal. Draft vraiment pas si mal. On est parti pour les trois choix de milieu de terrain. Découvrons ensemble M, R, A, E, G. J'ai envie de partir sur le A et j'espère que c'est joueuse de tout mon cœur, Alexia Putellas. Aïtada Bonmati Totti. Il y avait Kin aussi, mais c'est le meilleur choix. Oh, je suis en train de faire une draft masterclass. C'est que de la chance. C'est une draft masterclass que je suis en train de faire. Je suis trop content. Peut-être l'impression que je pourrais éventuellement aller au bout. Là, on a du F, F. Ensuite, j'arrive pas à voir la deuxième lettre. B, J. Alors J en joueuse. Bonmati, c'est fait. Putellas, c'est qui la troisième du Barça?
Il y en a une troisième trop forte. Ah, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête, mais j'ai pas envie de le tenter. Je pense que c'est pas elle. Tiens, au milieu de terrain, Kroos. Mais non, il y aurait Gritoni. Aucune idée. Je sais pas pourquoi. Je me dis, je vais tenter le J. Javier Zanetti, il est MC ou pas? Bon, vas-y, on va tenter le J et c'est Jordan Nobbs. Ok, bon, le choix, il était pas fou. Le choix, il était pas fou. C'est pas très grave. Allez, nouveau choix. J'aime trop le concept parce que on arrive finalement à faire une draft pas si mauvaise que ça, je trouve. Dernier milieu de terrain, je crois que Carlos Soler, il pourrait être là. Donc, Carlos Soler, je dirais. R comme Ricardo Kaka. Non, il est MOC. R comme je ne sais pas qui. Ah, c'était une joueuse, elle. Donc, ok. R pour le troisième joueur. J.A. On retente le Javier Zanetti. Moi, je pense pas. Je pense qu'il peut tomber qu'en D. En DD, pardon. Et I.A. pour le dernier. I.A. pour le dernier, c'est un joueur. Yago Aspas, il est BU. Non, Yago quoi? Yago, je ne sais pas. Il y a pas un joueur qui s'appelle Yago. Non, j'ai personne qui me vient en tête. On va prendre au pif R. On va tenter au pif le R et c'est Renato Sanchez. En vrai, la carte est belle. Avec. Oh, il y avait Camille Abili. Oh, il y avait Camille Abili. C'est ça, hein, c'est Camille son prénom. Mon Dieu, j'aurais pu avoir cette carte incroyable de Camille Abili. J'aurais finalement que Renato Sanchez. Allez, défenseur droit maintenant. Les Totti, Jérémy Frimpong, on a battle. C'est les deux que j'aimerais bien avoir. R, non. N, non. Je vais voir s'il y a un J ou quoi. O. R. On a battle. Joueuse. On a battle Totti, s'il vous plaît. On a battle Totti, s'il vous plaît. Tu veux que ce soit qui d'autre? C'est on a battle Totti. J'adore ce concept. J'adore ce concept. On avait qui d'autre? Ah bah ouais, mais je suis trop bien. En défense centrale, on va penser tout de suite à Ruben Dias, à Van Dijk, Virgil Van Dijk, Ruben Dias. Il y a quoi d'autre? Il y a les icônes, il y a Maldini. Il y a trop de cartes possibles. V pour commencer. Samy, non, aucune idée. P comme je sais pas moi. R comme aucune idée. Et A comme je ne sais pas. Je pense pas que c'est fou là. Je pense pas que le choix est fou. Je vais tenter. Pas une joueuse, non. Attends, t'es Wendy Renard. Ah oui, s'il y a un W, ce serait Wendy Renard. Et imagine, c'est la version Totti. Bon, il n'y a pas de W. Je vais tenter le A. On va tenter le A. Et c'est Ramani. Amir Ramani. Il y avait quoi dans le choix? Il y avait Ruben Dias, justement. Il y avait Ruben. Mais j'ai même pas pensé qu'il y avait le R, du coup. Je suis un fou, moi. On part sur Ramani. Dégoûté. Dégoûté. Dégoûté, la vérité. On est parti, nouveau choix. De défenseur central. Fikayo Tomori. Je pense que ce serait bien peut-être de valider Fikayo Tomori. Ça peut être pas mal en défense centrale. Il a une belle carte. C'est peut-être une icône, ça. Il y a un petit truc qui dépasse sur la carte. Non, je crois pas que c'est une icône. Là, on a un P et enfin un A. J'ai envie de tenter le Fikayo Tomori parce que je suis plus ou moins sûr que c'est lui. Et c'est Fikayo Tomori. Elle a une très belle carte et... Oh, il y avait Nesta. Allez, Alessandro Nesta, ouais, c'est ça. Oh, il y avait Nesta. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. La draft est quand même jolie pour l'instant. Il me faudrait des icônes, là. Il me faudrait un peu des icônes. En défenseur gauche, il y a souvent Bichente Lizarazu qui tombe. Je vais regarder s'il n'y a pas un B, là, tout de suite. Il n'y a pas de B. Là, il y a un J. Il y a qui en J en défenseur à gauche? En Ferland Mendy, il y a un F ou pas? Il n'y a pas de F. En Y, ça devrait pas être compliqué à trouver un défenseur gauche en Y. Yeri, je crois qu'il y a un Yeri. Donc, je pense que c'est pas un bon choix. Je pense que c'est peut-être Yeri, ça, en défenseur gauche. Il y a un mec qui s'appelle Yuri Berchich, peut-être. Yuri Berchich, en fait, en défenseur gauche. Je vais tenter le J. On va tenter le J et c'est... Oh, Jordi Alba, la nouvelle carte de Jordi Alba. Et c'était bien Yuri Berchich, je suis content. Certains, j'arrive à les trouver. Je suis plutôt content de moi. Et on termine par le gardien. Là, c'est soit, tout simplement... Les il y a Ederson, Alisson, il y a Van der Sar, il y a pas mal de gardiens qui pourraient être là, donc S, M, A et pourquoi pas Alisson. Il y a quoi comme gardien icône? Edwin Van der Sar, il y a pas de E là. Mais j'ai envie de tenter le A pour Alisson. Hein. Et c'est un joueur. J'ai envie de tenter le A pour Alisson. Ah ouais. Bon, je pense que le choix est moche. Ouais. Bon, j'ai pris le pire. Il y avait Sandra Pagnot, ça aurait été utile pour la draft en plus. J'ai pris le pire. Andrés Fernández, 90-28. Et pour une draft où je vois que la première lettre, je trouve qu'on fait quand même une draft masterclass. Vraiment. On est parti pour le premier choix de réserviste. C D M D Is. Alexander Isaac, donc c'est pas Isaac. Isco? Ouais, je pense que c'est Isco là. Est-ce que j'ai envie de prendre Isco? Je pense pas que j'ai envie de prendre Isco. Il y a une joueuse dans le lot. Ah, c'est pas Isco parce que c'est une joueuse. Iskir. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Bon, je vais tenter le premier C. C'est Dawson. Ouais, c'était un choix éclaté. Et c'était qui Artig. Et elle, Isabella Artig. D'accord. Ce sera Dawson qu'on prend. De toute façon, ça, c'est choix pas intéressant. On est parti, nouveau choix dans cette draft. Et avec Eder Militao, c'est pas comme ça que ça s'écrit? Non, je pense pas qu'il y a un E sur Eder Militao. Je pense pas. Elle quelque chose. Pourquoi ça dépasse un peu, là? Pourquoi ça dépasse un peu? Aucune idée qui c'est, mais ça dépasse un peu. J'ai pas envie de rater si c'est Gullit. Hein. J'ai envie de le tenter, le R. C'est quoi le R? Je vais le tenter à chaque fois. Rude Gullit. Oh! Rodri! Il tombe jamais en draft!
Oh, c'était bien Eder Militao, j'avais raison en fait. Oh, il aurait été utile Eder Militao. Oh, il aurait été bien utile, mais en vrai, je suis trop content, j'ai pris le Totti. Oh les mecs, vous savez que là, je suis extrêmement chanceux. Là, c'est vraiment une dinguerie la chance que j'ai. Faudrait que j'arrive à trouver un. Hein. Je le retrouve Eder Militao. Faudrait, ce serait cool, je le retrouve parce qu'il aurait été tellement utile. Donc si on voit un et, on sait que c'est Eder Militao. Ick, Iker Casillas. En vrai, j'avais personne au cage. Je crois que je vais le tenter Casillas. Hein. Ick, Ilkay Gundogan. Non, c'est Il. Donc là, c'est vraiment Ika. Donc je pense que c'est Iker Casillas. R, bon, on a déjà eu Rodri. Ah, ça peut être Gullit. N'empêche, ça peut être Gullit. Hein. C'est des joueurs, les deux. Ensuite, on a J. Zanetti, peut-être. Ick. J'ai envie de tenter Casillas, les gars. J'aimerais trop que ce soit Casillas. Et c'est Casillas, let's go. Dites-moi juste les autres choix. Oui. Oui, les mecs, j'ai une chance de fou dans cette draft. Je suis en train de faire une draft de fou furieux, mine de rien. Pratiquement à l'aveugle, je fais une draft de malade mental. Et ça, je suis trop content, vraiment. On continue avec un J. Un J, A, au Javier Zanetti. Oh, je vais le tenter, le Javier Zanetti. R, N, V. Je vais le tenter, le Javier Zanetti, non? C'est un joueur, hein, ouais, c'est un joueur. Ils sont tous joueurs dans le lot. Je vais le tenter, le J, A. Je vais le tenter, le J, A, et c'est... Jaume Costa. on est parti à dernier choix de la réserve. A, la petite Alejandro Grimaldo. Je pense que ça peut être ça des fois. H comme Heung-Minson. E, je sais pas c'est quoi la deuxième lettre. C, et quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette lettre? C'est pas Ilkay Gundogan des fois? Des fois c'est Gundogan. Mais après Gundogan, je n'ai pas besoin vraiment. Je vais tenter le H Heung-Minson et c'est Heung-Minson. Et c'était quoi du coup le... Ah c'était oui, c'était Ilkay Gundogan, j'avais raison. Mais j'avais pas trop besoin en milieu de terrain. Ah quoique, vu qu'il est du Barça, ça aurait pu être utile. Mais bon, on s'en fout. Heung-Minson, ça reste quand même une bonne carte. Je pensais que ça allait être une galère. Et ça aurait pu être une galère, mais ça se passe super bien. Un R comme Ruud Gullit. Un R comme Ruud Gullit. Comment choisir entre les deux? Comment? Dites-moi. Comment? Oh, il y a des petits trucs qui dépassent derrière la carte... Derrière la carte Birthday, les gars. F comme Francesco Totti qui n'est pas dans le jeu. L.I. comme Lionel Messi. Oh, imagine, c'est le Totti. Je vais le tenter, le L.I. Je vais le tenter, le L.I. Je vais le tenter, le L.I. Et c'est Lionel Messi Totti. Mais c'est une dinguerie, cette draft. Oh, il y avait Puskas, il y avait Gullit pour une fois, en vrai. Et le R, pour une fois que je disais. Oh, les mecs, elle est incroyable, ma draft. Elle est vraiment incroyable. Messi qui peut aller M.O.C., B.U. Je sais pas où on va le mettre, mais on le prend, bien évidemment. Oh. Plus un collectif en le mettant BU. Et il y a vraiment des chances qu'on puisse gagner cette draft. J'ai réussi à gagner une draft à l'aveugle. Elle était bien nulle, ma draft. Alors celle-ci, elle est puissante. Je trouve qu'elle est violente. Allez, R de nouveau en espérant que ce soit Ruud Gullit. G, I, on s'en fout. R, comment choisir entre les deux R? Dites-moi comment. Comment choisir M et G. Je vais prendre... c'est lequel qui a l'air le meilleur des R? C'est qui tout double, hein? Je vais tenter le premier. Imagine, c'est Gullit. Oh, Rivaldo. Et c'était Gullit, l'autre? C'était Pires. En vrai, je suis bien. Oh oui, je suis bien. Oh les mecs, j'ai trop de chance dans cette draft. Trop de chance, la tête de moi. Ma draft, elle est magnifique. Il me manque un petit Eder Militao là. Vraiment. Un petit Ruben Dias, un petit Virgil van Dijk en défense. Ce serait incroyable. Ah, j'ai merdé les gars. Ah, ce sont des choses qui arrivent et je suis pas un tricheur. Je vais prendre du coup la meilleure carte, mais je ne jouerai pas avec. Je vous promets, je le fais pas rentrer. J'ai trop envie de le faire rentrer en vrai. Je vais voir, je gagne du collectif. Je vais le mettre à la place de Messi. Non, je vais pas le faire rentrer, les gars. Je ne jouerai pas avec, mais j'ai triché sans faire exprès. C'est les choix de défenseur. Et c'est là que pour moi, c'est important. Parce que je vais chercher un V ou un R ou un W. Donc Virgil van Dijk, Wendy Renard, Ruben Dias. Il n'y a pas. Il n'y a pas les lettres que je cherche. K, Koundé, non. Jules Koundé, donc c'est pas lui. P, je ne sais pas qui c'est. Franchement, je sais pas quoi choisir. O, on a battu. On l'a dans cette draft. Hein. Marquinhos, au pire, le M, c'est peut-être un Marquinhos. Marc Bartra, oui, bon, le choix était pas fou. Le choix était pas fou. Dernière chance d'avoir un petit Totti en défense centrale, ce serait incroyable. M, E, L, pas Eder Militao malheureusement. J, C, M. Je vais retenter le M. Il y en a une, c'est une joueuse. On va retenter le M avec Marquinhos. Et c'est middle stat. Bon, écoutez, les choix de défenseurs n'ont pas été très forts. Le gardien, j'avoue, je m'en fous un petit peu, mais on va quand même jouer le jeu sur le gardien. O, J, M, E, P, pardon, J. Putain, j'ai l'impression que je suis à l'ophtalmo, là, en train de dire les lettres. On va prendre le P, on s'en fout, la vérité. Golini, Pierluigi Golini. Ça y est. Mon équipe est terminée. Au pire, on fait pareil sur le coach. Non, vas-y. Franchement, le coach, on s'en fout, les mecs. Eh ben, pour une draft en voyant que la première lettre, 91-33 de collectif. Elle est magnifique, ma draft. Et maintenant, ça va être l'heure de la jouer. Je suis prêt à parier qu'en vrai, de vrai, tout le long de faire la draft, ça sera le moment le plus long de la vidéo. Le moment gameplay, parce qu'en ce moment, je joue pas beaucoup. Mais bon, la dernière draft que j'ai joué, je l'ai gagnée. Et ma draft n'était pas aussi bonne. J'ai rarement autant de Totti dans une draft. Et surtout que des Totti que j'ai limite eu à l'aveugle. Donc, j'ai vraiment une très, très bonne draft. Hein. Je peux peut-être faire quelque chose. Hein. Vraiment. Je peux peut-être faire quelque chose avec
cette draft. J'ai que des cartes de... Non, mais là, je peux faire un truc. Je peux faire un truc. Clairement, j'ai une superbe draft. J'espère qu'on va aller au bout. On va prendre un coach. Un petit argentin ou quoi, peut-être pour Messi. Non, 31. 30... Ils ont tous 31 de collectif. Ouais, c'est la crise. Tant pis pour les coachs. On est parti pour jouer avec cette draft, mais je ne voyais qu'une lettre. Et c'est une de mes meilleures drafts. Enfin, c'est pas une de mes meilleures drafts. Loin de là, on fait des tentatives World Record Draft. On a fait des 126. Mais en vrai de vrai, c'est rare que je vois autant de totus dans une draft, donc je suis très content. Donc on est parti pour la jouer en espérant que ça se passe bien, vraiment. Oh, il a une sacrée draft en face. Il a combien d'icônes dans sa draft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes et un totus. Wow. Ok, Butragueno, on va décaler côté gauche pour Aitana Bonmati. Elle va vite. Oh, elle va vite. La passe second poteau. Je l'ai vu, il était tout seul. Dommage qu'elle n'a pas fait une bonne passe. Bientôt Sanchez. Oh, il y a Messi. Il y a Messi. Messi. Oh, Messi, elle rentre peut-être contrée. Non. Allez, debout, Tragueno, Renato Sanchez qui trouve Ramani. Ramani qui trouve Rodri pour la puff. Non, Alisson, il tape un vrai arrêt. Aitana Bonmati pour Rodri. On trouve Butragueno qui va trouver Léo Messi. Et cette fois-ci, encore une fois contré Jordi Alba pour Messi. Fini pied droit. Voilà, la finition. Il y avait un petit pénalty d'ailleurs qui était donné. Pour le moment, je pense que ce premier adversaire est largement à ma portée vu les 8 premières minutes du match où j'ai vraiment la maîtrise totale du match. Oui, Léo Messi. Léo Messi sur le pied gauche. Et ça finit 2-0, 19e minute de jeu. Je sens qu'un autre but, ça pourrait le faire Rashkit. Et c'est peut-être maintenant l'autre but, dommage. Bien joué. Pour la belle passe. Messi pour le fini, la finition. 3-0, triplé de Messi, 23 minutes. Tout se passe bien dans ce match. L'adversaire ne veut pas quitter, par contre. C'est ça qui me désole un petit peu. On a battle pour Butragueno. Butragueno qui trouve Léo Messi. Qui trouve, je sais pas qui, c'est Rodri, non? Ah non, c'est Rivaldo. Rivaldo pour le quatrième but. 4-0 pour nous. Voilà. Normalement, ce premier tour, on devrait le passer sans encombre. Oh, le penalty. Oh, bien sûr, le penalty. Mais je pense que ça, c'est. Si je mets le but, il y a moins que là, il quitte. Là, je pense qu'il est à bout. Surtout s'il y a un petit carton rouge, monsieur l'arbitre. Ça vous dirait de sortir le carton rouge quand même? Oh, seulement un carton jaune. Allez, Butragueno qui va se faire justice lui-même. Boum, à droite. Et il y a 5-0 avant la mi-temps. Allez, on a un très joli coup franc. On va essayer de le tirer avec Léo Messi. C'est parti. L'intérieur du pied. Brossé. Et rentre. Oh, magnifique arrêt d'Alisson. Allez, côté droit, Jordi Alba sur le pied gauche et il finit. Non ! Oui ! Le but contre son corps de Kalulu. Sixième but pour mon équipe. Allez, Rivaldo. Grosse frappe en timing vert. 7-0. Oh oui, il va quitter. Oui, enfin. 7-0. Premier tour, c'est passé sans encombre. Oh oui, il est passé. Allez, tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, Butragueno, tout seul. Il a bouché le gardien, mais j'arrive pas à finir. J'ai pas appuyé sur la touche d'enroulé. Mais oui, mais pourquoi? Là, c'était un but offert. Allez, c'est pas fini. L'action n'est pas terminée. On peut se venger tout de suite. Mais vas-y, faut que je marque, les gars. Ça va m'énerver de pas marquer des buts qui étaient tout faits. Là, c'était offert. Le but, il était offert. Ici, tu connais, hein, faut faire ça. Et ouais, ici, tu connais, il faut faire ça. T'as Léo Messi, tu timing vert, extérieur du pied, 1-0. Ah, ça fait du bien. Attention, appelé, je vais bouger mon gardien. Oh, heureusement, il rate complètement sa frappe. Trop magnifique, Bonmati. Magnifique ce qu'elle vient de faire. La bonne passe pour Butragueno. On va se servir de l'appel de Léo Messi. Vas-y, je lui mets un Messi. J'ai pas réussi à lui mettre. Mais c'est pas grave. Je peux lui mettre maintenant. J'espère qu'il n'y a pas hors-jeu. Il y avait pas hors-jeu aussi, il y avait hors-jeu. Oui. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Je crois qu'il n'y a pas hors-jeu. Faut que je dribble. Faut que je dribble le gardien. 2-0. Léo Messi. 22e minute. Allez, faut qu'on continue comme ça. On a battle côté droit. Elle est passée dans la surface. Le ballon pour Messi, l'enroulé de Messi et le troisième but. 3-0, 27e minute. Allez, c'est ma draft ça. Oh oui, c'est beau. Oh, ça va y aller au but. Ça va aller au bout ça. Ça va aller au bout, surtout s'il bouge son gardien. Mais non, mais ça fait deux fois que j'arrive pas à le mettre ce but. Oh, il est tout seul. Oh, le bon appel. Rivaldo. Rivaldo. Oh, je voulais pas la mettre à Messi, je voulais juste me placer sur le pied gauche de Rivaldo. Oh, la superbe récupération de Renato Sanchez pour Léo Messi. Le 4, je sais que quand Messi a le ballon dans ses positions, c'est sûr qu'il y a but. 4-0, 50e minute. Mais attends, c'est Messi qui a mis tous les buts, je crois qu'il a mis un quadruplé dans ce match. Hein. Oh là là, oh là, oh, c'est superbe, je crois qu'il n'y a pas hors-jeu, je crois qu'il couvrait là-haut. Je crois qu'il couvrait. Elle rentre pas, mais je suis dégoûté. Je mets les buts les plus compliqués dans ce match. Non! Dites-moi pas que c'était Tomori, je crois. Dites-moi pas qu'il était pas sur la trajectoire, il pouvait pas contrer ce ballon. Réduction du score adverse. Oh, oh, elle est magnifique. Et les gars, le match, il vient de tourner. En deux actions, il vient de tourner. Après, c'est la version 94 de Gullit, je peux comprendre. Magnifique enroulé de Ruud Gullit à l'entrée de la surface. Non, non, mais les gars, je vais prendre 3 buts en 3 actions. Je vais me...
Oh, let's go, bien joué. Oh non, la relance. Bien joué, Casillas. Oh, la relance catastrophique. Oh, bien joué, Aitana, bonne match, la belle récup. Bien joué, bonne match, la très belle récup. Là, ça va jouer en passe rapide. Léo Messi. Oh là 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 là, il est trop fort. C'est les quintuplés, je crois bien. Il est trop fort, vraiment. Allez, victoire facile dans ce deuxième tour. 5 buts à 2. On est parti pour la demi-finale. Oh là là, la draft qu'il a, lui, avec Mbappé en pointe. Très belle défense. La défense, elle est très solide. Une des meilleures défenses que j'ai eu à affronter cette saison. On va voir si notre Messi Totti sera capable de la percer, cette défense. Allez, Léo Messi. Pour l'enrouler, le premier enroulé du match. Il était joli, cet enroulé, en vrai. Ça a mis en difficulté Terracciano. Parce qu'il a peut-être une bonne défense, mais Terracciano au cache, c'est pas fou, en vrai. Allez, Rodri pour Léo Messi. Léo Messi, il a vu à gauche. Aitana Bonmati, elle va lui remettre à Messi. Il est rentré dans la surface, pas trop de solutions. Oh, en retrait. Jordi Alba pied droit. On tente, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment intelligent de faire ça. Super, Renato Sanchez la récup. La passe pour Messi, je demande à Renato de partir, mais je vais pas lui mettre. Parce qu'il y a le frérot Butragueno qui fait un superbe appel. Fini. Ah, il a bougé son gardien du bon côté. Ah, c'est pas fini l'action. C'est pas fini. Oh, j'avais trop bien joué. J'ai juste appuyé sur le carré trop tôt, je pense. Ah, c'est chaud, même en attaque, c'est chaud avec ces Mbappé. Oh là, j'ai pas eu peur. Hein. Pour appuyer sur le bouton interception, j'ai pas eu peur avec Ramani. Hein. Et attention, il va falloir le faire une nouvelle fois. Ah, il va sortir là. Sors, frérot, sors. Il n'y a pas hors-jeu en plus. Oh là là, Jordi Alba magnifique. Oh, attention, dans l'axe. Faut pas relancer dans l'axe, c'est bon. Ok, on s'en sort. Et on peut peut-être contre-attaquer. Je vais la tenter, hein, je m'en fous. Mais ouais, mais Maldini, c'est trop violent. Je peux pas envoyer Renato Sanchez au duel contre Maldini. Trop super, Léo Messi, vraiment. C'est notre héros, Léo Messi. La passe pour Rodri. La finition de Rodri. C'est Rivaldo, je suis un fou. Pourquoi je confonds Rivaldo et Rodri depuis le début de la draft, les gars? 1-0, 30e minute, match très serré pour l'instant. Oh, il a fait rentrer Doku et la vitesse de Doku, ça m'a mis un coup, là. Oh non! Non, non, yo! J'ai pas le droit de défendre comme ça, de faire des relances comme ça. Waouh, c'est trop frérot. C'est trop, il se balade. Alors qu'il fait n'importe quoi l'adversaire, il n'y a aucun skill. Il a juste tourné dans tous les sens comme ça. Et je sais pas, mais genre il voulait pas récupérer le ballon. Je venais de dire pied droit, on sait jamais pour Messi, mais c'est finalement Rivaldo qui pied droit nous cale une Lulu incroyable. Merci Rivaldo, merci beaucoup. Regardez-moi, le contrôle et la frappe croisée, mais franchement incroyable, magnifique, merci frérot. Il n'y a pas hors-jeu, je crois. Il n'y a pas hors-jeu, il est parti au bon moment, Léo. Il est parti au bon moment. Est-ce que je tente le centre là? Et ensuite ça. Oh, dommage. Oh oui. Cette fois-ci, il n'y a pas de frapper trop vite. Ça rentre, les amis. Ça rentre. 78e minute de jeu. On prend enfin 2 buts d'avance dans ce match. Oh, le bon contrôle de Butragueño. Bouge ton gardien. Vas-y, bouge-le, ton gardien. On a pris l'ascendant psychologique. 3 buts d'écart maintenant. Oh là là, 4 buts d'écart directement après. Je vous dis, il joue encore l'adversaire, mais c'est bon. Il a pété, il a craqué, les gars. La victoire en demi-finale de draft. Oh là 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 là. On y est, on est en finale. Je vous laisse admirer une dernière fois cette équipe qu'on a constituée presque à l'aveugle, là, en voyant uniquement la première lettre, en ayant de la chance. Hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, je trouve, pour faire une magnifique équipe qui est très agréable à jouer. On est parti pour la finale. Si je la gagne, ça fera 2 drafts d'affilée gagnés. Incroyable. Donc, c'est parti. La finale de la draft. Allez, on débute cette finale. Une passe en profondeur pour Butragueño. On va attendre un petit peu le départ de Renato Sanchez qui va la mettre à. J'ai abusé. Mais en vrai, la frappe de Messi, elle était belle. Mais j'ai abusé à frapper sur frappe directe. En plus, j'ai appuyé tout doucement. C'est pour ça que la frappe était à ras de terre. Mais ça nous fait déjà un tir cadré dans ce match. Oh là, on a battle le travail. On a battle le centre pour la tête décisive de Messi. Non. Aitana pour Butragueño. Et l'ouverture du score de Butragueño. Il a enfin marqué 1-0. Il y a pas hors-jeu. Hein. Il y a pas hors-jeu, je crois, pour Bonmati. Il y a pas hors-jeu du tout. Il y a pas hors-jeu. Oh, il a bien défendu. Franchement, il a bien défendu. Ah, Beckham qui rentre dans la surface trop facilement. Merci, Casillas. Oh, le but sur corner. C'est dégueulasse, les gars. Je prends des buts sur corner. Pour moi, il y a pas de skill à mettre un but sur corner. Ah, là, je joue mal. Je joue très, très mal. Je monte mon Jordi Alba. Heureusement que la défense, ça va. Ok, Butragueño qui décale Jordi Alba. Jordi Alba qui va envoyer Léo Messi. Et je crois que je vais prendre...
Oh la magnifique, pied droit. Mais en fait, je voulais mettre une frappe pied gauche, mais elle était quand même belle. La frappe pied droit, elle était pas mal hein, pour une frappe sans élan. Ah, j'ai mal défendu, je laisse trop passer sur l'aile. Heureusement que le dernier rempart, il met toujours bien son pied. Hein. Il n'y a pas de péno ou quoi, parce que c'est le dernier rempart là qui me sauve. Regardez encore une fois, hop, le dernier rempart, Tomori qui me sauve. Mais bon, il y a un coup franc lointain, mais on sait jamais. Les joueurs sur ce jeu, ils maîtrisent les coups de pied arrêtés. Il a jamais mis un but sur corner. Ça m'étonnerait pas qu'ils me mettent une grosse puff là sur coup franc. Regardez, hop, ça va. Oh là là, Aitana Bonmati, le taf, il est incroyable. C'est magnifique! C'est ça, le football, c'est ça. Oh non, oui, non, non, mais la chatte qu'il a, mais c'est trop. Mais les gars, ça fait deux buts de merde que je me prends contre lui. Moi, je me casse les voilà, bref, sérieusement. Je donne tout pour mettre mes buts, je galère. Et lui, c'est des trucs éclatés qu'il met, ça rend fou. Allez, contre Agüero. Boutragogno. Oui, mon petit, le poteau rentrant. Tu fais plaisir. Il s'est réveillé dans cette finale. Pas paniquer. Ne pas paniquer, même s'il est dans ma surface. Voilà. Tranquille. Oh là là. Oh, dommage. Léo Messi. Oh, il y a un coup franc. Oh, le coup franc de la victoire. Mais c'est peut-être le moment d'apprendre. Je pense que je suis trop à gauche hein, dans tous les cas. Mais on essaye. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. 81ème minute. Je vous dis que là, c'est compliqué de défendre. Hein. Oh non, j'ai laissé un trou. Cabeno et l'égalisation. Bah ouais, c'est compliqué. Pourquoi je t'ai pas tiré les coups francs, moi? Ah, je suis mort. Je suis mort dans le film. Bien joué. Ah, je vais perdre les dernières minutes. C'est horrible. Contre un mec qui m'a mis deux buts tellement chanceux dans le match. Je vais perdre dans les derniers instants du match. C'est une dinguerie. Tu mérites pas de perdre ce match. Ah, c'est fini. Fais tourner, les mecs. De toute façon, c'était sûr, cet adversaire-là. Sa manière de jouer, là, c'était sûr. Dans le match, il allait faire tourner. Bien joué à lui, les gars. Dégoûté, parce que je suis à deux doigts de la gagner, cette draft. Vraiment. Je suis vraiment à deux doigts. Mais en tout cas, on a fait une belle draft. Hein. Franchement, on avait une belle équipe, premièrement. Et je trouve qu'on a quand même bien joué. Et voilà. Il a fallu que l'adversaire ait de la chance pour cette finale. Mais tant pis. C'est pas grave. On aura fait une belle draft. Bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Un peu triste d'avoir perdu sur dans les dernières minutes du match, en plus. Mais c'est comme ça. J'ai trouvé le concept cool. C'était long, par contre. Hein. 1h20 de tournage pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker un maximum. C'était le Yo. Ciao l'équipe.